Boker Tov, nous sommes le 7 juillet 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk comme tous les jours sur Radio J. Et Daniel, nous sommes à une semaine à peine de la visite officielle du président américain Joe Biden en Israël et en Arabie Saoudite. Et on peut le dire, la tension grimpe de plus en plus rapidement. Et oui, Ilana, le Israel Hayom consacre sa manchette ce matin à cette visite et il évoque le dilemme auquel l'État d'Israël est confronté, maintenir le calme, donc aux frontières en particulier, afin de ne pas entraver cette visite, et ce en dépit des provocations du Hezbollah, par exemple, au nord, ou bien réagir et risquer d'hypothéquer le bon déroulement de la visite du président américain. Et l'un des dossiers qui peuvent compliquer justement cette visite de Joe Biden, c'est celui de Khan el-Ahmar, le village bédouin illégal dont la Cour suprême a exigé l'évacuation, mais qui n'a toujours pas été évacué en raison, entre autres, de l'opposition farouche de la communauté européenne. Lapid a toujours affirmé qu'une évacuation de Khan el-Ahmar aurait des répercussions diplomatiques, mais les ministres Gideon Saar, Ayelet Shaked et Avigdor Lieberman, eux, restent favorables à une telle évacuation. Selon toute vraisemblance, l'évacuation de ce village devrait être reportée après la visite de Joe Biden. Et puis toujours dans le cadre de séjour présidentiel de la semaine prochaine, le Yediot, lui, va de sa petite révélation. Oui, selon une source saoudienne haut placée, les Saoudiens envisagent d'accueillir la semaine prochaine une haute personnalité israélienne, dont on ne connaît pas l'identité pour l'instant. Cela marquerait, selon Smadar Peri, la spécialiste du secteur arabe dans le Yediot Acharonot, les progrès enregistrés dans les relations bilatérales entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il pourrait d'ailleurs s'agir du chef du Mossad, David Barnea, ou du conseiller à la sécurité nationale, Eyal Khulata, qui pourrait donc rejoindre au dernier moment l'Air Force One du président américain et voyager avec lui de Tel Aviv à Riyad. Le Yediot Acharonot souligne tout de même qu'une telle probabilité reste pour l'instant encore relativement faible. Et puis le Yediot, toujours de son côté, mentionne en première page ce matin cet attentat qui est passé quasiment sous le radar au-dessus de l'autoroute 4 près de Bnei Brak avant-hier. Oui, c'est un attentat au cours duquel Yitzhak Da'an, c'est son nom, de Bnei Brak, a été très sérieusement blessé par un Palestinien qui l'a attaqué à la hache, donc sur un pont au-dessus de l'autoroute 4. Il a murmuré « Allahu Akbar » avant de sortir cette hache d'un sachet, de me frapper, a témoigné Da'an de son lit d'hôpital. Hier, la censure a autorisé l'annonce de l'arrestation du suspect de cet acte terroriste. Et la censure a également autorisé de révéler qu'un quatrième drone du Hezbollah a été intercepté par les Israéliens samedi dernier lors de cette tentative d'agression contre la plateforme gazière Karish dans les eaux nord d'Israël. Et puis ce matin, voilà, ça c'est pour le... Et puis ce matin, Daniel, une révélation du Maariv sur la rencontre d'avant-hier entre Yair Lapid et Emmanuel Macron. Et oui, c'est une révélation de notre confrère Gideon Kutz, qui est le correspondant du Maariv en France depuis de longues années. Selon Kutz, Macron aurait mis son ami Yair Lapid dans l'embarras en affirmant qu'il considérait que Lapid était une figure historique capable de revenir au pourparlers de paix avec les Palestiniens et même de les faire aboutir à un accord sur le dossier du règlement du conflit israélo-palestinien. Durant leur conversation, Lapid a expliqué au président français que dans l'actuelle constellation politique, il n'y avait quasiment aucune chance de promouvoir de tels pourparlers avec les Palestiniens et de parvenir à une quelconque percée diplomatique dans ce dossier. Et puis dans le reste de l'actualité, la presse et les médias israéliens continuent à suivre de très près le procès Netanyahou et le témoignage clé de l'assistante d'Arnon Milchian. Oui, pour la seconde journée consécutive, Hadass Klein a témoigné sur les agissements du couple Netanyahou dans le dossier Mil, ce dossier des cadeaux qu'il aurait reçu de la part d'Arnon Milchian et de James Pecker. Klein a évalué entre 6 et 8 000 shekels par mois le montant des cigares reçus par Binyamin Netanyahou. Elle a affirmé que Sarah Netanyahou, elle, avait reçu à sa demande des bijoux pour un montant de quelque 2 000 $. Une fois, Sarah m'a crié dessus, a affirmé Klein hier. Et Binyamin Netanyahou nous a demandé de ne pas être sévère avec elle. Il a dit que Sarah était énervée en raison de la manière dont la presse la traite. Enfin, Hadass Klein a évoqué l'éventuelle contrepartie qu'Arnon Milchian aurait reçu de la part de Netanyahou. Milchian aurait demandé à Netanyahou de lui faire rencontrer John Kerry, qui était alors secrétaire d'État américain de Barack Obama. Finalement, l'ex-premier ministre n'a pas réussi à aider ou n'a pas aidé son ami. Et c'est Milchian lui-même qui s'est rapproché de Kerry. Et au bout du compte, en 2014, Arnon Milchian a reçu le visa de séjour aux États-Unis qu'il attendait depuis plusieurs années.
Et justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes autour de ces développements ce matin. Oui, le Haaretz écrit « Le témoignage de Klein fait bouillir le sang. Mandelblit doit des explications au public israélien sur un fait. Pourquoi n'a-t-il pas inculpé Benjamin Netanyahou de corruption dans le dossier 1000 alors que celle-ci apparaît si évidente ?» écrit Uri Misgav ce matin donc dans le Haaretz. Autre commentaire dans le Haaretz, celui d'Itaï Rom, qui visiblement lui ne comprend pas pourquoi le parquet n'a pas ouvert le procès de Benjamin Netanyahou par le dossier 1000, qui lui paraît bien plus évident que ne l'est le dossier 4000. Enfin, Enad Galili, dans le Yediot Aharonot, écrit que le témoignage d'Hadass Klein révèle un véritable danger pour les partisans de la théorie conspirationniste autour du procès de Benjamin Netanyahou. Et puis enfin, pour terminer, on peut trouver, Daniel, plusieurs autres éditoriaux intéressants dans les pages éditoriales des journaux et des sites d'information. Oui, Rotem Isaac, dans le Yediot Aharonot, écrit ce matin qu'au cours de son mandat de 4 mois, Lapid ne pourra pas résoudre le conflit israélo-palestinien. Il ne pourra pas débarrasser l'Iran de son arme nucléaire, ni même transformer Tel Aviv en une ville bon marché. Mais en 4 mois, il peut tout de même enclencher une série de petits projets de loi qui sauveront des vies humaines, écrit-elle ce matin. Limor Livnat, dans le Yediot Aharonot, elle estime que la probabilité pour que Benjamin Netanyahou revienne au pouvoir dépendra de la capacité d'Ayelet Shaked et de son parti Yamina à passer le seuil d'éligibilité lors des élections du 1er novembre prochain. Et il doit espérer que l'attrait d'un retour à la rue Barfour persuadera Sarah Netanyahou de lever son veto, célèbre veto contre la présence dans son entourage d'Ayelet Shaked.